monsieur Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union sacrée ou il est à l'avocat? Alors, il va prendre la présidence tournante et quel l'avocat? L'avocat où il y a Mouzito, où il y a Païklou, ou de l'avocat imaginaire? Mais s'il vous plaît, le problème c'est que faut, comme on dit à Ningala, tu auras un peu sonné. Même si la honte ne tue pas, vous vous êtes engagé dans une entreprise, vous êtes parti déposer des cahiers des charges, vous avez négocié et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait. Ça c'est votre problème. Mais quel est. Alors, l'entrée à la MOUCA était. Donc, nous avons créé la MOUCA ensemble. On n'est mis pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Nyamoussi, qui nous a rejoint à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la MOUCA. Mais maintenant, les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez. En octobre, donc l'année dernière, le 12 octobre, et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mouzito a envoyé ses membres de la cellule. J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba a été au téléphone, mais il était avec Guémena, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, Mouzito et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste. Personne. Et puis j'ai appris qu'ils discutaient avec l'Union sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant qu'il a reçu son invitation pour assister aux consultations de Monsieur Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu d'invitation et nous nous sommes dit on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti, ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au Présidium de la MOUCA. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du Présidium? Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, faire une masturbation intellectuelle ou ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent pour l'instant. La MOUCA est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la MOUCA est allée loin. Donc nous avons constaté leur départ et la MOUCA a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium, nous avons des textes et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et le Premier ministre. Vous avez dit que Bakoma Bababa n'a évité Batindio ou bien Dengenini. Pourquoi je pose cette question? J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. Je lobby Batindio parce que Baloba Kasusute. Ceux qui ont eu qui Balobi, Bazolo Bande Kuna pour la Union sacrée. Mais jamais à propos de la MOUCA. Bon, Oyo Lubu en Ouzio en Ouak. Pour Bango Baloba Bati. Hein? Non, c'est. Je n'ai plus grand chose à ajouter, les cordeaux à tout dit. Merci beaucoup.